Salut tout le monde, ici c'est Gavin de Startup Maurice et aujourd'hui on parle de branding. Alors, avant d'aller de l'avant avec la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est un nouveau concept qu'on emmène sur Startup Maurice. C'est le 2 Minute Tuesdays où tous les mardis je parle d'un concept et aujourd'hui c'est le branding. Alors, branding en français, retenez-la bien, c'est l'image de la marque. Et j'aimerais bien savoir combien d'entre vous pensez que le branding, quand j'allais faire cette petite vidéo, j'allais parler du logo. N'oubliez pas de faire un petit commentaire en dessous, j'avais envie de savoir combien de gens pensent que je vais parler du logo. Alors oui, justement, le logo. Alors, branding, c'est pas le logo. Le logo, c'est un symbole, c'est un outil qu'on utilise pour votre marque, pour démontrer quelque chose, mais c'est pas le branding. Alors, ben, branding, c'est quoi, Gavin? Vous rappelez du petit mot qu'on vient d'utiliser, là, le petit mot français? Oui, l'image de la marque. Alors, c'est une image, mais où elle est cette image? Alors, l'image est dans la tête des gens qui vont acheter votre produit. C'est le feeling, la perception, le truc que vous ressentez quand vous allez entendre, vous allez voir, vous allez toucher les produits d'une marque. Un exemple, McDonald's, KFC, comme tout le monde connaît. Bon, on peut en parler de mort toute longueur de journée, mais branding, comment ça va vous aider dans votre entreprise, même si elle n'a pas encore débuté. Ah, j'ai eu votre attention. Alors, oui, branding, vous devez en parler, vous devez réfléchir au branding avant même que vous avez débuté l'entreprise, au moment où l'idée se forme dans votre tête. Souvent, des gens disent que branding, c'est le produit, la marque, la société même en elle-même, la compagnie, si vous voulez. Quand on parle de KFC ou McDonald's, vous entendez Brander ou Big Mac, un truc comme ça. Ou vous, si vous entendez Nike, vous pensez à Nike, un truc de chaussures. Mais comme je vous ai dit, c'est une image qu'il y a dans la tête des gens qui vont acheter vos produits. Mais c'est une image que vous allez projeter. Et probablement, ce ne sera pas la même image dans chaque tête. Alors, c'est ça le branding. Vous pouvez avoir une seule entreprise, mais avoir 1 million d'images. Pensez à Nike. Combien de gens utilisent Nike, mais tout le monde n'a pas la même perception de Nike. Alors, c'est un petit peu ça. Prenez ça en considération. Mais c'est pas juste ça, le branding. Est-ce que c'est juste l'image? Ou plutôt le résultat de l'image? Ça peut être positif ou négatif. Mais le résultat, c'est qu'on veut faire plus de ventes. Alors, quand vous allez penser à votre branding, vous devez penser à quelque chose qui va générer des ventes pour vous. Alors, comment faire pour projeter l'image qu'il faut dans votre message, dans votre branding? Quand vous allez démarrer ou pas encore démarrer, quand c'est une idée pour le Startup Maurice, parce que la semaine prochaine, non, c'est faux. La semaine prochaine, on vient avec une autre vidéo sur le logo. Ne ratez pas cette vidéo, c'est super. Alors, merci. Et n'oubliez pas de faire un petit subscribe sur YouTube, Facebook et nos réseaux sociaux, parce que ça nous aide à faire des contenus comme celui-ci. Merci. Au revoir.